commencé ce nouvel album au milieu du confinement avec l'idée spontanée de réunir autour de mon trio des musiciens coup de cœur vivant à différents endroits de la planète. Il y a notamment mon ami bassiste Étienne Mbappé qui joue depuis plusieurs années avec John McLaughlin. Il nous a fait l'amitié de venir jouer sur Travel Book. La présence d'un très grand guitariste flamenco, Juan Carmona, qui était ami de Paco de Lucía. Un nouveau talent de la guitare nous a rejoint également, le guitariste Antoine Boin. Pianiste Leandro Aconcha a écrit des arrangements pour Quatuor à cordes sur un morceau de Rachmaninoff, ainsi que sur plusieurs de mes compositions. Au milieu du Quatuor à cordes, notre ami trompettiste Sylvain Gontard est venu jouer sur A Moment Forever. Regardant du côté des États-Unis, pays où est né le jazz, j'ai fait la connaissance d'un merveilleux guitariste américain qui est devenu un ami, Risto Avicheff. On retrouvera également les couleurs de l'Inde avec la présence de mon ami violoniste Radha Krishna et la magnifique voix de la chanteuse anglaise Nikki Wells qui vocalise à la façon classique indienne. Je suis très heureux de vous présenter ce nouvel album Sun is Back. Le titre fait référence à la période des Védas où le soleil était le symbole de la lumière, la connaissance, la vérité.